Salut et bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien et on se retrouve pour le 39e épisode sur Sea of Stars et on commence tout ça directement par plonger dans un endroit inconnu. Alors, est-ce qu'on va avoir des coffres cachés? Est-ce que ça va être des boss cachés? Eh bah, on va voir tout ça. Peut-être les armes de nos compagnons secondaires. Ah, alors ça c'est un objet qu'on avait déjà. Et... Je disais, il y a des objets qu'on ramasse, qu'on savait pas à quoi ça servait, peut-être que ça servait pour ça, mais là non, c'est le marteau. Bon, encore des salles d'énigmes. Un cristal, un bouclier. Non, j'ai pas vraiment fait attention, c'était quoi. Alors, on va dans l'eau. On va aller sur la caisse, est-ce que je peux la faire bouger, non pas en nageant. Ici, on peut pas grimper non plus. Ah, il y a des chats ici. On va faire baisser le niveau de l'eau. Non, on peut pas aller là. Ok, et puis... Ok, est-ce qu'il y a des plateformes qui flottent, ça? Non. Ok, je pense que j'ai compris. Il faut prendre la caisse pour pouvoir monter là, pour pouvoir ensuite apporter le bloc qui est en haut. Le mettre en bas pour le mettre au milieu. Là, il faut mettre la caisse pour le bouton pour faire monter le bloc. Ensuite, le bloc, on le met à la place de la caisse. Et la caisse, on s'en sert comme plateforme. Là. Attends, avant d'aller là, moi je vais aller chercher le coffre. Ah, un gosse ça fait. Il est caché là-dedans. Ok, bon.
Alors, vous avez obtenu l'éclat de saut d'Okari A. Ok, donc il y aura quoi? 4 éclats à récupérer? Ça servira à quoi? À faire descendre le niveau de l'eau? Non, je sais pas. Bon. Alors, tu appuies sur le bouton à chaque fois? Ah non, comme j'ai récupéré le seau. Ah oui, maintenant, vas-y pour retrouver les autres. Allez, deuxième grotte sous-marine. Les ruines de Dokari scellées. Ah, ok, bon, c'est celle-là, il faut les 3 éclats. Windokari englouti. Moi, je suis sorti. Je pensais qu'on arriverait par le bas. Caché avec une conque. Un autre éclat. Alors. Ça s'est désactivé les trucs. Ouais. Et ça, ça reste. Besoin de ça. Non!
Voilà, deuxième éclat. Attendez, il y a des boss quand même. Ah oui, il me reste juste cette énigme là à compléter. Ok, je me demandais où était le tourbillon. Il est là. Hop là, les troisièmes ruines. Et après, on retourne de l'autre côté. Là, et qu'on ait ce miroir là. Descendre.
récepteur, il reste là. Non, inversé. Là-dessus. Ok, non, c'est bon, ça les a validés. Donc maintenant, il faut que lui en bas. C'est chiant ça. Ok, on retourne en haut à droite. Tête de géant. Ok, et on retourne. Cette fois-ci, on a les trois éclats. Qu'est-ce qui nous attend à l'intérieur? Ah, c'est le premier boss. Oh, je ne suis pas reposé. Ok. Hop là. C'est fait pour ça. Hey, j'avais bouclé les lunettes.
Pas plus de deux fois si je fais asynchro. Ça tape plus deux fois celui-là, je sais plus. C'est bon. Le max, donc ici on change pour ça. Ah merde. Allez. Oh, faut juste prendre des dégâts là-dessus. Merde. D'appuyer sur le bouton. Ok, ça, ça met à un point de vie quoi qu'il arrive. D'accord. Ok. Ah, le lune poison il prend 3, merde. Thank you.
seul. Ok. Pile assez pour faire des orientations. Et là. C'est ridicule, je lui ai empêché de faire son attaque. Je vais être obligé de le subir. Pas si mal. Si j'attaque poison, c'est vulnérable, puis là, ça va faire juste 11. épée. La vie se passe là.
36, faut regarder combien de dégâts elle fait. Bon, pas besoin de compter, on a vaincu la limace de maille. Alors, j'allais dire, est-ce qu'on va enchaîner plusieurs boss? Non. Vide. C'est vide? Hé, y a quelqu'un? À quoi bon tout ce qu'on a fait? Quelle perte de temps. Le grand alchimiste a sûrement de bonnes raisons de nous envoyer ici, se débarrasser de ce problème peut-être. Vous avez obtenu le bouchon en éther-bois. Sérieux, il l'avait sur lui pendant tout ce temps? Ha ha ha, toujours aussi surprenant. Allons-y. Bon. Voilà, on a la meilleure arme pour Eshan. Il reste plus qu'à avoir la meilleure arme pour Selai. Et ça, je pense, c'est l'énigme de Ramoyon. Je pense que je vais regarder la réponse sur internet. Le secret de Romaya. Il y a une histoire de couleur en plus des trois symboles, c'est... j'ai pas fini de faire au hasard. Hein. Ok, je vais tricher et oui, on résout ça. Ok, donc normalement j'ai la solution pour celui-là. Celui-là, je crois que c'est le bon. Et celui-là, c'est lui, il a juste les couleurs. Ok, je pense que celui-là, c'est pas le bon. Ok, à moins que ça soit celui-là, c'est pas le bon. Ok, je vais juste revalider. Ok, c'est peut-être le premier qui est pas bon. Ah, voilà, fallait pas la rayure. En fait, juste pour vous aider, il y a un autre endroit, le cimetière inondé. Je sais pas si je suis allé, mais quand on ramasse un coffre, sur le mur, il y a trois symboles. Ces trois symboles, c'est ce qu'on retrouve là. Et là, c'est con. Ça me met à l'endroit où il y a les symboles. J'avais trouvé le journal de Romaya.
Elle ne serait pas contente. Ok, oui. Je vais faire quoi après ça? Le froid ne me dérange pas. Si seulement je pouvais me souvenir. Ah. Un journal. Il semble appartenir à la maîtresse. Mais ses entrées sont écrites de ma main. Ah oui, j'avais complètement oublié le domaine. Mon prélassant sous le soleil d'été et les fleurs, elles étaient magnifiques. Si seulement je pouvais y retourner. Si seulement... Vous avez obtenu flamme jaune. Le passeur saura quoi en faire. Ok. Je me rappelle plus. Je peux aller dans l'eau pareil. Le raccourci. Allez-tu se jeter à l'eau? J'avais l'impression que j'avais pas le choix. Mais... sortons d'ici. Ah. Ça, je suis dû aller. Ouais, ça, oui, j'ai récupéré le coffre. Ok. Bon, on va éviter les combats si possible. Avec après avoir donné la flamme jaune au passeur. Ok, là on rentre dans le temple, donc c'est pas par là, pas dans le temple. Salutations, flamme jaune. Une flamme jaune, vous avez trouvé à bord de mon radeau, vous pouvez monter. Bon. On va faire une coupure ici avant que l'épisode dure une heure. Ok, donc j'espère que t'as apprécié cet épisode. Moi, oui, beaucoup. On avance dans le contenu de fin de jeu avant d'affronter le boss de fin. Donc, si tu as aimé cet épisode, n'hésite surtout pas à mettre un pouce bleu et t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Coche la cloche pour ne rien manquer, n'hésite pas à mettre un commentaire et partager la chaîne avec tes amis. Et si tu es déjà abonné, je te remercie grandement de ta fidélité. Et quant à moi, je te dis à de prochaines aventures. Ciao, bye bye.